Bonjour, c'est Ken. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une séance sous forme de circuit avec élastique, sans accessoires, sans les accrocher, je veux dire, on ne va pas les accrocher. Je fais cette séance entièrement avec vous. Donc cette séance va être assez rapide et vous allez voir que malgré que ce soit rapide, elle sera efficace. Efficace selon l'objectif. L'objectif ici, c'est améliorer les qualités physiques générales, surtout améliorer la silhouette, perdre de la graisse et travailler toutes les masses musculaires. Donc c'est pas du tout prévu pour prendre du muscle, mais plutôt pour s'affiner et devenir plus sec. Okay, la séance, vous l'adaptez selon votre niveau. On va la faire sous forme de circuit. Il y aura 5 exercices. On va enchaîner 30 secondes d'effort par exercice, 30 secondes de repos entre chaque exercice. Ces 30 secondes de repos, vous les adaptez soit en repos dynamique, je vous montrerai, on fera ensemble, soit en repos plus cool si vous avez besoin de récupérer. Pareil, les résistances, vous mettez les résistances qui vous correspondent. D'accord ? On va voir ça tranquillement ensemble. Ok ? Donc vous adaptez à votre niveau. Surtout, le plus important, ne trichez pas sur la posture. Vous restez toujours exigeant sur votre posture. D'accord ? Ça ne sert à rien de faire la séance absolument pour vous blesser. Ok ? Ok, on va partir tranquillement. On va commencer avec un échauffement. Allez, go, c'est parti. Allez, on va s'échauffer tranquillement. Donc ici, on va descendre tranquillement en squat. Donc j'ai les pieds largeur bassin ou un peu plus, je descends les fesses en arrière. Donc là, je suis pas du tout en tension. J'essaie de descendre le plus bas possible en gardant les talons au sol. J'essaie de descendre le plus bas possible. Donc vous allez descendre selon votre mobilité. Je garde les talons au sol. Et là, je vais tranquillement bouger les genoux d'un côté, de l'autre. Essayez de mettre une petite pression sur les chevilles. D'accord ? L'idée à long terme, c'est que votre mobilité de cheville soit de plus en plus ample, vous gagnez de plus en plus en mobilité pour que vous puissiez faire un squat propre comme ça sans difficulté, d'accord? Donc je sais que pour beaucoup ça peut être ça, hein, au début ça va être dur mais c'est pas grave, on fait comme ça puis petit à petit on va descendre. Donc là voilà, j'écrase un petit peu les chevilles, je descends bien, hop, tranquillement je mobilise les chevilles, je me redresse, je récupère, parce que l'idée là c'est pas vous cramer, on récupère, on reprend. On fait un petit peu ici, hop, je mobilise un peu les chevilles et là je vais mettre une main au sol, je vais pivoter le tronc, le bras, je vais aller chercher à amener le bras vers le ciel en gardant bien les deux talons au sol et bien les genoux ouverts. Et je cherche à amener la main vers le ciel. Donc la main droite au ciel, je reviens, la main droite au sol, contre mon genou droit. Et là, le bras gauche au ciel. Je m'agrandis bien. Hop, je reviens en m'appuyant sur les genoux, je remonte tranquillement. Ok, je secoue les jambes si j'ai besoin. On refait une fois ça. Je descends doucement. Main gauche au sol, le genou bien bloqué. Main droite au ciel, je pousse la main droite vers le ciel le plus possible. Je cherche vraiment à m'agrandir. Je garde bien les genoux ouverts. Hop, l'autre bras, le bras gauche, je m'agrandis bien. Ok, je reviens. Ok, là je vais mobiliser les bras tranquillement. Je cherche à étirer la cage thoracique. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Passant le bras droit par-dessus le bras gauche. Par-dessous, bras gauche, j'alterne, ok. Ça, c'est juste pour étirer de façon dynamique le haut du dos aussi. Là, et je cherchais à m'agrandir. Donc là, je mobilise simplement les épaules. D'accord, l'articulation des épaules. Hop, hop, je descends assez dynamique. Donc c'est un étirement dynamique. Voilà, je monte les genoux, hop, je cherche à bien monter. Donc là, je cherche à tout déverrouiller, les articulations. Je cherche à retrouver une mobilité qui me permet de ne pas être embêté pendant ma séance. Hein, d'accord, être protégé, protéger mes articulations. Voilà, tranquillement. Là, on va partir en squat. Donc, si vous débutez, c'est simple. Si c'est votre première séance, vous débutez. Vous prenez pied largeur bassin, vous prenez une chaise. Vous descendez, vous venez vous asseoir et on remonte. D'accord, on descend, hop, et on remonte. La consigne la plus importante ici, c'est que les talons restent au sol. C'est-à-dire si vous décollez les talons, que vous écrasez sur les deux pieds, vous mettez une pression sur les ménisques. Donc je me mets face à vous, hein, on va dire ici, je m'assois, hop, et je remonte. D'accord ? Alors au début, ça peut être un peu ça, hein, si vous n'êtes pas habitué, c'est normal, on va chercher un peu son équilibre. C'est pas grave, petit à petit, vous saurez être de plus en plus à l'aise et vous saurez descendre, freiner la descente, remonter. D'accord ? Si on est plus à l'aise, on descend doucement en squat et on remonte. Voilà. Doucement. Ici. D'accord ? On fait quelques répétitions. Là, c'est dynamique. Donc là, je cherche à commencer à activer les groupes musculaires des cuisses. D'accord ? Commencer à préparer le cerveau à comprendre ce qui va se passer. Augmenter la température corporelle. Ici. On va essayer d'avoir chaud. Voilà. Un peu plus dynamique, on accélère un peu plus. Voilà. Ok. On relâche. Je prends un élastique léger ici, donc c'est un souple celui-là. Et on va faire un mouvement de rowing, de tirage, donc ça c'est assez technique. Je vais mettre les pieds sur l'élastique, ici, pousser les fesses en arrière, la poitrine en avant et tirer les épaules et les coudes en arrière, ici. D'accord? Alors, pareil, c'est votre première fois, techniquement c'est possible que ce soit très dur. Ce que je fais, c'est que je vais me coller à un mur, je fais un grand pas avant, d'accord? Je mets au moins un bon pied éloigné du mur, je mets les pieds sur les élastiques et je pousse les fesses sur le mur. Voilà, je m'appuie sur le mur. Et là, je suis en appui sur le mur, voilà, les fesses appuyées sur le mur. Je pousse la poitrine en avant, voilà, je cherche à cambrer le dos et je prends mes élastiques, ok? Et là, je vais tirer les élastiques le long du pantalon. Les épaules en arrière, les coudes en arrière. Ici, vous voyez, je tiens les élastiques à pleine main. D'accord? S'il n'y a pas de problème de posture, on fait ici. Je travaille un peu plus fortement les lombaires, là. La poitrine ouverte, les épaules et les coudes en arrière, d'accord? Les épaules d'abord et les coudes suivent. Les épaules et les coudes. On en fait encore 4, 5, 2, 3, 4, 5. Ok. On garde cet élastique là. Hop, on va mettre un pied dessus. Alors l'autre jambe devant, donc le pied où il y a l'élastique il est derrière. Je prends mon élastique dans le dos, je fléchis bien les bras, ici, les coudes serrés et je tends les bras au ciel pour échauffer les triceps. Donc là il n'y a pas beaucoup de tension, hein. Je suis juste dans un échauffement, je ne suis pas là pour me fatiguer. Voilà. Doucement, j'active les triceps. Voilà. Donc là, hein, je ne sens rien non plus. Il faudra faire un peu plus dur tout à l'heure, un peu plus dynamique. Voilà, ok. Je vais échauffer les épaules. Donc, même principe. Là, je vais mettre qu'un pied dans l'élastique. Par contre, je vais mettre l'élastique devant. Alors, si je suis très grand, les élastiques sont trop courts, hein, je me mets à genoux. Pareil, ici. Et je monte. D'accord? Si je peux, debout ici. Et je monte au ciel. D'accord? Là. Je pousse les bras au ciel. La tête se lève pas. Je reste le regard loin devant moi. Ici, je monte. Ok? On en fait une petite dizaine. Pour bien échauffer les épaules, il faut que ça commence à chauffer un petit peu, brûler un petit peu. Voilà. On souffle bien. Voilà, tranquillement. Et encore 2, 3. Ok. Ok. Là, on va faire un exercice de gainage. Donc là, je vous montre tout l'exercice dans le désordre. On est en échauffement. Exercice de gainage, alors tout simple. On va venir les mains au sol. Les pieds, les jambes tendues, ici, hop, comme une position pompe, et je tiens. Ok? Je me mets face à vous. Ici, donc les jambes un peu écartées, sur les mains, je tiens. Ok? Si c'est dur par rapport au poignet, vous mettez les coudes sur un support. Vous prenez une chaise, vous mettez les coudes sur un support, et la même position. Ici, hop, on tient. Ok? Et on va tenir comme ça, une vingtaine de secondes. Donc je vous montre ici. Je cherche à vraiment être aligné, d'accord? Je pousse les talons en arrière, cuisses contractées, je me repousse du sol très fort et je serre le ventre. Et je maintiens. Ok, on maintient. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Voilà, ça va commencer, vous devez commencer à avoir un peu chaud, ok? On commence à être dans l'échauffement. Là, je prends les élastiques. Donc là, ce sera plus pour ceux qui maîtrisent déjà le squat. Si vous avez besoin de vous asseoir pour le squat, prenez pas tout de suite les élastiques. Hein. Tant que vous avez besoin de vous asseoir pour le squat, c'est pas la peine de passer avec une tension supplémentaire. Vous passerez avec une tension supplémentaire quand vous pourrez descendre, freiner la descente, remonter sans vous asseoir. D'accord? Pour l'instant, ça sert à rien. Il faut d'avoir maîtrisé son squat. Ici, je vous montre. Donc, les mains, les jambes écartées, soit l'élastique dans le dos, ici ouvert, soit vous prenez l'élastique collé à vous, ici, mode câlin un petit peu, d'accord, même en croisé plutôt, ici, hop, et je colle à moi, d'accord, je tiens à moi, et là je descends les fesses en arrière, et je remonte, là, D'accord? Faites attention de ne pas vous casser en avant. Je ne subis pas l'élastique. Là c'est pas bon. Je reste droit. D'accord? Ici, je peux me tenir les mains. Ici, hop. Et je remonte droit. D'accord? Vous choisissez ce que vous préférez. Les mains comme ça ou dans le dos ici. Vous choisissez ce que vous préférez. Les coudes ouverts, poitrine ouverte. Je descends et je remonte. Ok, on a fait une petite dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, je garde mon élastique ici. Je vais repartir sur le rowing de tout à l'heure avec l'élastique plus dur. Ici, pareil, je me penche en avant et je tire les coudes en arrière. Ici, pareil, une dizaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pour les triceps, je garde un pied sur l'élastique. Je garde cette tension plus forte. Ici. Et je tends. Pareil, une dizaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour les épaules, même chose, devant, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on repart en gainage. Je fais exprès de faire assez vite pour augmenter un peu le cardio. Ici, les jambes écartées. Je vous montre les options plus dures ici. Et là, on va juste ouvrir le bras gauche. Je reviens. J'ouvre le bras droit. Je reviens. Sans que le bassin ne se lève. On reste bien gainé. Jambes écartées. J'ouvre. Je reviens. J'ouvre. Je reviens. Encore deux fois de chaque côté. Hop. Hop. Encore une. Hop. Hop. Ok. On va faire un dernier sur le chauffe avant d'attaquer. Donc là. Si vous avez trouvé que c'était facile, on va rajouter une tension supplémentaire. Ici. Hop. On essaie de faire 6-7 reps pour le squat pour voir ce que ça donne. Ici. Donc pareil. Soit ici, les élastiques devant, soit dans le dos. Peu importe. Choisissez ce que vous préférez. Ok, on a fait 6-7, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je me penche en avant, je prends les élastiques pour le rowing, les fesses en arrière ou collées au mur, vous vous rappelez, ici, collées au mur ou comme ça, je sors bien la poitrine et je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Pour les triceps, donc, je mets le pied sur les élastiques, assez court pour avoir un peu plus de tension. Hop, là, et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Pour les épaules, je pense que ça va être dur. Donc, moi, ce que je vais faire, normalement, vous avez 5 élastiques, donc je vais prendre celui-ci que je vais rajouter là. Ici, hop. Et on va essayer. Là, pareil, 6-7 reps pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, là, c'est largement assez dur pour les épaules. Ok. Et dernier pour le gainage, un peu plus dur. J'ai pris mon élastique le plus léger, je l'ai attaché, je tiens l'élastique dans les mains où je fais une petite boucle même, pour que c'est un peu plus court, ici, là, et comme tout à l'heure, j'ouvre bras gauche, hop, je repose, bras droit, ok, on en fait deux fois de chaque côté, bras gauche, bras droit, d'accord, gauche et droit, ok, on récupère, on va boire un coup. Et on va attaquer, je vous explique, on va attaquer. Donc voilà, on a mis du temps pour l'échauffement, mais c'était important. Là, la séance, ça va durer 20 minutes. Je Je vous explique. Il y a 4 tours. D'accord? 4 tours. 30 secondes d'effort, 30 secondes de faux repos. C'est-à-dire, on va faire 30 secondes de squat, après 30 secondes de repos. Si c'est dur, vous soufflez, comme ça vous récupérez, tranquille. Si ça va, bah, on reste en 30 secondes dynamique ici, d'accord? Ou ici, en montée de genoux, d'accord? Ou talon-fesse, d'accord? Donc talon-fesse, c'est plus dynamique que montée de genoux, qui est plus dynamique que ici, d'accord? L'idée, c'est de maintenir un cardio tout le long du tour, d'accord? Il y a 4 tours. Le premier tour va vous servir de tour test, d'accord? C'est-à-dire, vous faites le premier tour et vous trouvez que les résistances que vous avez mis étaient beaucoup trop dures, c'était trop dur. À la fin du tour, il y aura 30 secondes de repos, où là vous utiliserez ce repos pour modifier vos élastiques, d'accord? C'est 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos par entre les exercices et entre chaque tour aussi, pareil, d'accord? 30 secondes de repos. Donc, normalement, quand ça sonne, on a fini un tour, je vous donne top tour. Vous prenez ces 30 secondes pour vous, pour réajuster vos élastiques. Si c'est trop dur, vous enlèverez un élastique. Si c'est trop facile, vous rajouterez un élastique, d'accord? Si le premier tour a été dur, mais vous sentez que vous êtes capable de faire un deuxième tour, c'est qu'on est bon, d'accord? Je ne vous demande pas de faire les 4 tours pareils. Au contraire, je ne vous demande vraiment pas de faire les 4 tours pareils. Ce qu'il faut, c'est que le quatrième tour, c'est que vous en ayez marre. C'est que vous voulez que ça se termine ou vous soyez obligé de faire des pauses. Par exemple, les squats, vous fassiez ça, et puis sur les 30 secondes, vous fassiez des petites pauses en haut où vous relâchez, vous continuez sans élastique, sans rien pour finir, d'accord? Là, on est bon, d'accord? Il faut que ce soit dur, ok? Dur, mais adapté. Si vous n'avez pas fait de sport pendant 2 mois ou plus, vous contrôlez, hein, vous allez tranquille, vous allez même monter petit à petit. Il faut qu'à la fin du 4 tours, au contraire, vous soyez essoufflé, mais bien, ok? Si vous êtes un peu plus entraîné, on monte, d'accord? Le 4e tour, vous devez en avoir marre, le 4e tour. Vous devez avoir hâte que ça se termine, ok? Si vous finissez les 4 tours et à la fin des 4 tours, c'est « Ah, ça fait du bien, je suis bien », non, c'est que vous avez fait 4 tours d'échauffement. On est d'accord? Ok? Donc, je vais lancer. Donc, je vous dis à chaque fois, hein, je suis avec vous, je suis toute la séance avec vous. Donc, on commence avec le squat, d'accord? Soit dans le dos, soit devant, comme vous voulez. Ça va sonner pour nous 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, dynamique, le repos, vous adaptez, ok? Allez, c'est parti pour 20 minutes. Hop, on se part en squat. Ok, allez, c'est parti. On n'accélère pas le mouvement, on fait des squats propres, hein. On descend bien, on serre le ventre, je regarde devant moi et je remonte. Je regarde devant moi, je serre le ventre, je souffle à la montée. Je serre le ventre, je pousse les fesses en arrière, je remonte. Un petit temps mort en bas même, c'est un peu mieux pour bien sentir les cuisses. Hop, je garde bien les coudes ouverts si je mets les mains derrière, là, si j'ai l'élastique sont derrière, pour pas que l'élastique m'embarque en avant. 5 secondes. 2, 1, ok. Là, récupération active. Donc ici, ou talon-fesse, d'accord? Ou montée de genoux, peu importe, d'accord? Il faut rester juste dynamique, d'accord? Ça peut être juste, je trottine, tranquille, pour rester actif, ok? Après, ça sera le rowing buste penché, d'accord? On tiendra les élastiques, on penchera en avant, on amènera les coudes en arrière. Je vous dirai quand vous placez dans 2 secondes. Ok, on se place, on prend les élastiques, hop, on prend, et c'est parti. On sort bien la poitrine. Encore 15 secondes, on n'accélère pas le mouvement, c'est bien les épaules qu'on pousse d'abord en arrière, et les coudes suivent. La poitrine est sortie. Le dos est légèrement cambré, d'accord? On pousse bien les fesses en arrière. N'hésitez pas à vous mettre contre un mur. Il est dur cet exercice. 2, 1, ok. On reste actif. D'accord? Ça peut être talon en fesses. D'accord? On va rester actif comme ça. On va garder le talon en fesses, hein, le truc plus dynamique sur le dernier tour, s'il y a besoin. D'accord? Là, je trottine tranquille. Là, après, ça sera pied dans l'élastique. Ici, pour les triceps. D'accord? Je vous laisserai 5 secondes pour vous préparer. En 3, 2, 1, on se prépare, on prend l'élastique, pied dessus, hop, et c'est parti. Ici, les triceps. Voilà. Ok, je sais pas le chrono, 15 secondes encore. On rentre bien le ventre, on se fait pas mal au dos, on serre le ventre le plus possible. On n'ouvre pas les coudes vers l'extérieur. Donc les mains passent derrière la tête, ils reviennent au-dessus, top. Allez, on reste actif. On reste actif. Ok. Les épaules, d'accord. Élévation épaules, à 30 secondes les épaules. Souvent c'est dur. Voilà. On reste bien dynamique. On trottine. On peut secouer les bras, on détend. C'est trop dur, on marche, hein, c'est tout. On marche. Là c'est le premier tour. Notre tour test. Allez, on s'installe pour les épaules. Hop, c'est parti. On contrôle bien les épaules, c'est l'articulation la plus fragile du corps. Donc on la protège, on ne se casse pas en deux. D'accord? Je ne suis pas en train de me surcambrer en arrière, je reste droit. « 10 secondes. 5, 2, 1. Ok. Et on reste dynamique. On reste dynamique, ok. Moi, je vais enlever mon élastique bleu. Pour les épaules, c'était un petit peu dur. J'ai du mal à bien me concentrer. Je le rajouterai aux autres pour les autres exercices. On reste actif. Ce sera le gainage avec l'élastique ou sans élastique, hein, selon notre niveau de gainage. On ouvre, on va droit, on va à gauche. Dans 2, 1, on s'installe au sol. Hop, on prend les élastiques. Ici, et c'est parti. J'ouvre à gauche, je tiens, je bloque. J'ouvre à droite, je reviens, je bloque. Hop, ici. Bras à gauche, bras à droite. Je contrôle mon gainage, j'ouvre le bras, je reviens. J'ouvre le bras, je reviens. Je gagne bien. Ok. Et là, vous prenez ces 30 secondes de repos réel pour réajuster vos élastiques. D'accord? Donc là, je vais rajouter une tension pour les squats, rowing. On repart dans 20 secondes. On souffle bien. Hop. Dans 10 secondes, on commence à se préparer. Soufflez bien. Donc le squat dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Le squat doucement. Descends, je remonte. Je souffle bien à la montée. Je reste concentré sur mon squat. « 5, 2, 1. » Ok. Et on maintient le cardio. On trottine. Pour l'instant, on reste comme ça. Là, je vais monter la tension. Trottine tranquille. On fera le rowing après. D'accord? Là, le deuxième tour, vous ne devez pas du tout être cassé. Vous ne devez pas trouver ça super dur. À partir du troisième, vous devez commencer à trouver dur. D'accord? Vous allez peut-être vouloir adapter un petit peu le cardio, peut-être faire un peu moins dur, ok? C'est parti, le rowing. Je peux faire attention au chrono, c'est pareil. Allez, on y va. J'inspire quand je tire pour comprendre qu'il faut ouvrir la cage thoracique. Là, je tire, j'ouvre la cage thoracique, j'expire. Secondes, 5 secondes, on lâche pas, 2, 1, ok, cardio, on maintient. Là le rowing, normalement on souffle pendant l'effort, tout le temps. Là le rowing, je vous demande d'inspirer pendant l'effort, ce que je vous demande c'est ouvrir la cage thoracique. Et c'est plus facile de le faire en inspirant qu'en expirant, d'accord? Donc on inspire quand on tire, ok? Dans 5 secondes, on part pour les triceps. Je vais faire avec ceux-là. Ok, on s'installe. Hop. Allez, c'est parti. On fléchit les bras, on retend. Fléchit, je tends. Souffle bien là quand on monte, là on souffle bien l'effort. Je fais attention à mon dos, c'est-à-dire je suis concentré sur mon ventre, D'accord, je suis pas tiré en arrière, si je veux me faire mal au dos. Je rentre bien le ventre. Ok. Cardio. Les épaules après, d'accord. Donc mon élastique, là. On maintient le cardio. On trottine tranquillement. On est très souple. On secoue les bras. Soufflez bien. Pensez à souffler plus que ce que vous inspirez. 2, 1. S'installe. Un pied dans l'élastique. Et c'est parti. Là, je souffle bien la montée. Je n'accélère pas, je contrôle bien mon mouvement. Les mains, vous voyez, descendent légèrement au-dessus des épaules. Les coudes sont toujours pointés vers le sol quand je descends. Les coudes au sol, pas en arrière. Sinon, l'épaule va s'enrouler vers l'avant. 2, 1. Ok. Le gainage. Donc, on trottine avant, on trottine. On maintient le cardio, j'aime jeter direct. Voilà. On trottine, on souffle bien, on secoue les bras. Voilà. L'idée, voilà, en circuit, c'est rester toujours actif. Donc comprenez bien, c'est pas du tout la séance pour la prise de masse musculaire. On travaille trop, tout le temps, pas de repos. Ok, on s'installe en gainage. Hop, jambes écartées. Et c'est parti. On contrôle bien son gainage. Alors c'est pareil, hein, ça peut se faire les coudes au sol aussi, hein, si on préfère, par rapport au poignet, là. Le gainage sera un petit peu plus dur. Là. D'accord. Les mains au poignet, les coudes au sol, ou les coudes sur un support. Ok, on récupère. Profitez pour boire un coup. 30 secondes de récupération. Petite gorgée. Donc le gainage, hein, vous l'adaptez. Vous avez mal au poignet, coude au sol, coude sur un support, c'est plus facile. On va repartir en squat pour le troisième tour. Donc là, le troisième tour va commencer à être dur. Hein. Ok, dans 3, 2, 1. Allez, c'est reparti. Hop, pas plus vite le squat, par contre, on contrôle bien le squat. Hop, et je contrôle la descente. Je descends en 1, 2, je bloque, je monte. Je descends en 1. 2, je bloque, je monte. D'accord, 2 secondes la descente, 1 seconde en bas, je monte, une petite seconde en bas. 1, 2, je bloque, je souffle à la montée. 1, 2, je bloque, dernière, 1, 2, ok. Allez, on laisse l'élastique devant et on maintient le cardio. Trottine, il va avoir chaud. L'idéal, là, troisième tour, c'est comme moi être toujours capable de parler. Alors, je ne vous demande pas de parler, mais vous allez sentir que votre cœur, il n'est pas dans le rouge. D'accord? Ça monte, vous allez être chaud, vous transpirez. On est reparti le rowing. Vous n'êtes pas suressoufflé. D'accord? Poitrine ouverte. J'inspire quand je tire, parce que je cherche à ouvrir la cage thoracique. J'expire quand je relâche. Les fesses au mur, ça soulage les lombaires. Hein. D'accord? N'hésitez pas à poser les fesses au mur pour soulager les lombaires. J'ouvre les épaules, la cage thoracique, je souffle, je relâche. J'inspire, j'expire. Je glisse les mains le long des jambes. Une dernière. Ok, je trottine. Vous voyez, là, je suis bien essoufflé, je commence à être fatigué. Mais ça va, ouais. Tant que je suis là, je peux parler, donc je suis bien. C'est le quatrième tour, si vous êtes entraîné, quatrième tour, je vous demanderai de vous dépasser, si vous êtes bien. Triceps, d'accord, en 2, 1, ok. Je prends le plus court en élastique, je prépare, hop, allez c'est parti. Je rentre bien le ventre, je souffle bien la montée. Là, je suis surtout concentré sur le ventre pour ne pas me faire mal au dos. Je m'amincis le plus possible. Ok, cardio. Il nous restera les épaules, le gainage, pousser mon élastique. Voilà. Ouais, on détend les bras, on souffle bien. Ok, dans 5 secondes, on se prépare pour les épaules. 2, 1, ok. Les épaules. Un pied sur l'élastique. C'est parti. Souffle à remonter. J'inspire à descendre, je contrôle. Secondes, 5 secondes, 2, 1, ok, cardio, ok, ça sera le gainage pour finir le troisième tour, et le quatrième tour, si on est bien, on cherche à se dépasser. Sur le cardio, là c'est trop tard pour la partie muscu, on va pas augmenter les tensions maintenant, vous augmenterez les tensions la prochaine fois que vous ferez la séance, si c'était facile, s'installe en gainage. Ok, soit sur les coudes, soit sur les mains, ici, j'ouvre, je ferme. Je souffle bien quand j'ouvre le bras. Le bassin est contrôlé, en fait je suis toujours aligné. Genou, bassin, cheville, épaule, bassin, cheville, aligné. Épaule, bassin, cheville, aligné. D'accord? Pas de vague. Ok. On va avoir une petite rotation du corps, on serre le ventre, le genou, le bassin, les épaules s'alignent. Ok. Dernier tour, on repart en squat. On augmentera le cardio si on peut. Allez, 5 secondes avant de se préparer. Ok, on s'installe sur les élastiques. C'est parti pour le squat. On freine la descente, on bloque, je monte. Je descends, 1, 2, je bloque, je regarde toujours devant moi. Mon dos ne se casse pas en avant, je sors la poitrine, hop. Je sors la poitrine, je serre le ventre, j'inspire, je descends doucement, je bloque, je souffle à monter. Dernière. Ok. Et là, le cardio, si on peut, on fait talon fesse. Voilà, ici, on accélère un peu plus pour augmenter le cardio. Toujours souple sous les jambes, ça fait pas mal au dos. Souffle bien, on va partir en rowing après, d'accord, buste penché en avant, 5 secondes, 2, 1, ok, le rowing, ici, et c'est parti, on n'accélère pas le rowing par contre, cadence contrôlée, j'inspire quand je tire, parce que j'ouvre la cage thoracique, j'expire quand je relâche. Le dos s'enroule pas. Ok. Cardio. Là, on est sur le dernier tour que je vous ai tout à l'heure. Normalement, vous devez avoir hâte que ça se termine. Commencez à en avoir marre. Vous êtes fatigué, pas dans le rouge, vous contrôlez. Vous avez encore du jeu. Là, c'est les triceps, ok, je cherchais. Triceps, ok, on s'installe. Hop. Ok. Cardio. Deux exercices. Les épaules, les gainages. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Les épaules. Allez, c'est parti. Contrôle toutes les étapes. Tournez pas la tête quand vous faites les épaules. 3, 2, 1. Allez, le cardio. Ah, talons fesses, si vous voulez, les talons. Serrez le ventre aussi. Restez bien gainés. Cinq secondes avant de s'installer. 2, 1, ok. Allez, c'est parti. Contrôle sur le gainage, on bâcle pas. On a eu l'élastique, c'est trop dur. Je serre le ventre, je souffle quand je tends le bras, quand je lève le bras. 5 secondes. 2, 1. Ok. On souffle. On récupère. C'est pas à boire un coup. Petite gorgée. Soufflez bien. Voilà, l'état dans lequel vous devez être, c'est ça. Essoufflé, bien essoufflé, mais pas totalement dans le rouge. C'est-à-dire, je ne suis pas effondré par terre, d'accord? J'arrive à parler difficilement. L'intérêt, l'idée, c'est ça. Vous puissiez parler avec difficulté, comme ça, d'accord? Si vous êtes comme ça, c'est que vous étiez trop loin. Si vous pouvez parler normalement, pas assez loin, d'accord? J'ai trouvé juste milieu. Plus vous serez entraîné, plus vous pourrez vous pousser, mais laissez le corps, le temps au corps de s'adapter, d'accord, hein? Si la séance était beaucoup trop dure, c'est que vous avez mal adapté, c'est-à-dire les 30 secondes de repos, il faut les faire en réel, les exercices, peut-être faire avec moins d'élastique ou sans élastique, d'accord, il faut l'adapter à votre niveau, ok? Donc on souffle encore, je vais souffler, on secoue les bras, on va récupérer tranquillement. Ok, on reste en haut, ici. On va ouvrir les bras sous la ligne des épaules. Je m'agrandis, là. Je cherche à ouvrir la cage thoracique. Ok, là je cherchais pousser le bras droit vers le ciel, à pivoter un petit peu sur le côté. Je m'incline pas, je me plie pas, je cherche à m'agrandir vers le ciel. En m'inclinant un petit peu, je cherche à étirer toute cette partie-là, côté latéral. De l'autre côté, pareil. Bras gauche, j'ouvre sur le côté. Ok. Là, je vais me laisser tomber les mains au sol, les jambes tendues pour étirer les jambes. Donc je vais toucher les chevilles, les lacets ou le sol selon ma souplesse. Là, je fléchis les jambes et je laisse les bras au sol. Les jambes fléchies. Je soulage le dos. Je mets les mains sur les genoux. Je déroule le dos vertèbre après vertèbre. En même temps des mains, je m'agrandis bien. Ok, je fixe un point au sol où je mets la main au mur pour l'équilibre, d'accord? Je m'appuie sur un mur s'il faut. Je prends mon pied droit, les genoux collés, ici, et je m'agrandis. Je cherche à amener le talon contre la fesse et je m'agrandis. Et si je suis à l'aise, je pousse légèrement mon genou derrière mon genou qui est en appui au sol, la jambe au sol, là, et je m'agrandis bien, je serre le ventre, je ne dois pas me faire mal au dos. Ça va étirer le quadriceps. Top, l'autre jambe. Ici, genou aligné, un petit peu en arrière si ma souplesse le permet. Je m'agrandis, je serre le ventre. Ok, on relâche. On ne tire jamais longtemps, juste après une séance comme ça, une séance intense, où on a impacté les fibres musculaires, on les a abîmées. Donc c'est des étirements très courts, 5-10 secondes, pas plus. Hein, 10 secondes, c'est vraiment grand max. C'est juste pour que le muscle puisse retrouver sa grande amplitude. Si vous faites supérieur à 10 secondes, 15, 20, plus de 20 secondes, c'est même dangereux. Parce que vous allez jouer sur le système nerveux, le muscle va chercher à gagner en souplesse sur des muscles déjà abîmés. Vous risquez de vous blesser. C'est pour ça que tous les étirements se font très courts. Okay, on va refaire une fois. Jambes tendues, je descends, j'étire tranquillement, 4-5 secondes. Je mets les mains sur les genoux, je déroule, je m'agrandis. Ok. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Hein, surtout pensez à bien vous hydrater, c'est très important. Voilà, j'espère que cette séance vous a vraiment plu. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez vraiment trouvé cette séance sympa, si vous avez bien aimé la séance, la difficulté, comment c'était. Partagez vos sensations si vous avez eu des difficultés sur certains exercices, d'accord. N'hésitez pas à me faire part de votre retour pour savoir si ce genre de séance vous plaît ou non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.